Bonjour à tous, ici TRP de Gludurinin. Donc je vais vous parler aujourd'hui du donjon PVP 260, parce que vous avez pu voir au Portfolio Lab, je vous ai montré comment passer niveau 260. Donc ça c'est la zone. Ici vous avez les quatre boss, donc Intrépidez, Aventura, Gary et Alcaios. Donc là pareil, comme le donjon PVP, vous avez un buff d'attaque, le buff de Quint. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu la petite routine des boss. Donc lui le plus simple niveau 262. Donc vous voyez, il y a quand même quasiment 20 000 millions de points de vie, c'est toujours un dragon. Donc l'arme draconique sera prépondérante pour l'avenir, hein, parce que je pense que pour une décap de 320, il faudra une arme draconique. Donc vous voyez, j'étais avec le buff de Quint, donc voilà, Intrépidez, il tombe facilement. Donc sachant que là, je suis en full stuff PVP 40 enchant 25+, avec deux pièces UR. Et mon arme élite est UR niveau 40 plus 23, voilà, avec attribut max bien entendu. Donc ça permet de farmer aussi les monstres. Donc là vous voyez, Aventura qui pop. Donc l'avantage c'est que j'étais solo dans ce donjon très rapidement, donc je pouvais prendre les boss pour pouvoir farmer les fragments et autres matériaux facilement sur les boss. Donc au début, j'avoue, quand je suis arrivé dans le donjon, je pouvais tuer que les deux premiers boss. Gary et Alcaios, j'étais trop faible encore. Il fallait impérativement des buffs, enfin des armures UR, malgré buff clan et le buff de Quint. Sachant qu'en plus, bah, pour farmer AFK, c'était quand même c'était pas forcément évident, parce que vous allez voir sur Alcaios, les monstres sont assez gros et en fait ils vous encerclent rapidement. Donc le mage qui fait des dégâts de zone sur des cibles qui sont proches, ça marche pas très bien. Donc faut vraiment encaisser. Donc voilà, là la deuxième zone, donc vous avez vu les deux premiers c'était des dragons, là on passe sur des monstres élites classiques, donc là c'est des araignées. Donc ah, Gary est pas encore pop, il n'arrivera pas tarder. Tout à fait, voilà. Donc Gary pareil, il commence à être un peu plus costaud, vous voyez, 21 millions de points de vie, c'est quand même. Il a beaucoup plus de défense aussi. Et surtout il a beaucoup plus d'AD aussi aux alentours qui viennent vous aggro quand vous tapez le boss. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir quand même un stuff relativement puissant, en tout cas en termes de défense. Et une arme qui tape assez fort pour les tomber, parce que vous voyez, à l'auto-attaque, même si je fais des crits à 500 000, c'est quand même assez long. Et vous voyez, j'ai rapidement 6-7 araignées autour de moi qui me tapent dessus en même temps, donc faut quand même encaisser. Donc là, avec mon stuff UR, vous voyez, ils me mettent des coups à 8-9 000. Quand je suis arrivé au départ dans ce donjon, ils me mettaient des coups à 15, 16, 17 000. Donc sans stuff UR, c'est vraiment difficile. Vous avez vraiment besoin de beaucoup de défense, sachant que là en plus, j'ai le buff de Quint qui booste la défense. C'est quand même l'objectif numéro 1 à avoir dans ce donjon si vous voulez farmer relativement calmement. Et voilà, donc Gary est tombé et vous allez voir Alcaios. Donc pour ceux qui ont pu faire les pierres d'invocation, vous savez que c'est un arbre. Donc pareil, il n'y a pas besoin d'autre chose qu'une arme élite. L'arme draconique ne servira pas sur eux. Et là pareil, vous voyez, ils sont vraiment gros, donc ils vous encerclent rapidement. Et pareil que Gary, vous êtes vite encerclé et beaucoup d'âmes de tour en fait. Donc il faut le tomber assez rapidement, souvent je garde la méthore pour ce combat là, parce qu'effectivement c'est plus compliqué et ça me permet, vous avez vu, de clean tous les âmes d'un coup, ce qui me permet d'avoir un combat relativement facile au début. Et comme vous avez vu, mon skill bonus c'est la frôle guérisseuse qui me permet de mettre full PV quand je suis vraiment en bas, et si j'en ai besoin sur eux, quand ils m'encerclent et que j'ai pas le temps de dépecer assez le boss. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit guide pour le donjon 260. J'espère que quand vous y serez, vous pourrez vous promener aussi un peu dedans. En attendant, je pense que les groupes, ça sera nécessaire. En attendant, à bientôt.